sommaire de cette édition, Gilberto Aparecido dos Santos, un baron de la drogue brésilien, arrêté lundi dernier au Mozambique, a été extradé vers le Brésil le week-end écoulé. Les forces de sécurité du Burkina Faso ont été accusées ce lundi par l'ONG Human Rights Watch d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo, dans le nord du pays. Et puis pour lutter contre le Covid-19, le Sénégal a imposé ce dimanche le port obligatoire du masque pendant la période de l'état d'urgence prévue pour durer au moins jusqu'en début mai. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Mali, le second tour des élections législatives de ce dimanche a été perturbé par des incidents qui ont empêché des électeurs de voter dans un contexte marqué par les violences djihadistes et le Covid-19. Toutefois, les premiers résultats provisoires sont attendus en début de semaine. Rap d'un président, d'un bureau de vote, fuite de responsables électoraux, menaces contre les électeurs, les élections législatives de ce dimanche au Mali, maintenues malgré le Covid-19 et les violences djihadistes, ont été perturbées par des incidents dans le centre et le nord qui ont empêché des électeurs de voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert à 8 heures locales et GMT ont en majorité fermé à 18 heures à Bamako et en province, selon des journalistes de l'AFP et des observateurs. Le dépouillement a ensuite commencé selon les mêmes sources. Les premiers résultats provisoires de ce second tour, après un premier tour tenu le 29 mars dernier, sont attendus en début de semaine. Le taux moyen de participation était d'un peu plus de 16%, deux heures avant la clôture du scrutin, a indiqué dans un communiqué la Synergie, une plateforme d'organisation qui a déployé des observateurs pour ces législatives. L'enjeu du scrutin est de taille. Renouvelé, un parlement élu en 2013 et dont le mandat devrait s'achever en 2018 et faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger. Au Mozambique, les autorités ont annoncé ce dimanche avoir extradé vers son pays d'origine un des narcotrafiquants les plus recherchés au Brésil. Il s'agit de Gilberto Aparecido dos Santos. Accusé d'avoir envoyé des tonnes de drogue dans plusieurs pays, Gilberto Aparecido dos Santos, un des narcotrafiquants les plus recherchés au Brésil, a été expulsé vers le Brésil pour être entré illégalement au Mozambique. Le suspect a été remis aux autorités policières brésiliennes en exécution d'un mandat d'arrêt international. Il a quitté le Mozambique samedi soir à bord d'un avion militaire brésilien, a précisé la police mozambicaine. Cette dernière a même distribué à la presse des photos de l'embarquement du suspect menotté à bord d'un petit biréacteur. Membre éminent du plus grand groupe du crime organisé brésilien, le premier commando de la capitale, Gilberto Aparecido dos Santos, avait été arrêté dans le cadre d'une opération menée par les polices du Brésil et du Mozambique, avec la participation de la diplomatie brésilienne, du département de la justice des États-Unis et de l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue. Selon Leonardo Simbin, le porte-parole de la police mozambicaine, il a été interpellé en possession de 15 téléphones portables, de 100 grammes de cannabis et de 3 passeports, 2 Nigérians et un faux passeport brésilien. Connu sous le surnom de Femino, Gilberto Aparecido dos Santos était en fuite depuis plus de 20 ans, selon la police fédérale brésilienne. Selon la police mozambicaine, il était arrivé dans le pays le mois dernier. Je l'annonçais en titre, au Burkina Faso, 31 civils ont été tués par les forces de l'ordre, selon Human Rights Watch. L'ONG dénonce une parodie brutale d'opérations antiterroristes susceptibles de constituer un crime de guerre. L'Organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, a accusé ce lundi les forces de sécurité du Burkina Faso d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo, dans le nord du pays. Ces exécutions seraient intervenues lors d'une parodie brutale d'opérations antiterroristes le 9 avril dernier.
ce qui pourrait constituer, selon Corinne Doufka, la directrice pour l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch, un crime de guerre. L'ONG appelle les autorités burkinabées à immédiatement ouvrir une enquête impartiale sur ces meurtres et tenir les responsables pour comptables de leurs actes, quel que soit leur rang. Selon l'enquête menée par Human Rights Watch à Dibo, ville située à 200 km au nord de la capitale burkinabé, les forces de sécurité ont ciblé exclusivement des hommes de la communauté Peul, une ethnie semi-nomade sahélienne, parmi lesquels les groupes d'islamistes recrutent particulièrement, selon les experts. Human Rights Watch et des organisations de la société civile burkinabé ont déjà plusieurs fois dénoncé des violences perpétrées par les forces de sécurité contre la population qui ont fait, selon ces ONG, plusieurs centaines de morts sous couvert de lutte contre les groupes djihadistes qui multiplient les attaques dans le pays depuis 5 ans. Le Sénégal a imposé ce dimanche le port obligatoire du masque pendant la période de l'état d'urgence prévue pour durer au moins jusqu'en début mai. Cette mesure vise à lutter contre le Covid-19. Pour endiguer la progression du coronavirus, le ministre sénégalais de l'Intérieur vient de sortir un arrêté rendant obligatoire le port de masques de protection dans certains lieux durant l'état d'urgence. Cette mesure s'applique obligatoirement dans les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements. Le président sénégalais Macky Sall avait décrété l'état d'urgence sur tout le territoire à partir du 24 mars dernier, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h pour endiguer la progression du coronavirus. La mesure avait ensuite été prolongée de 30 jours par un décret daté du 3 avril dernier. Les autorités sénégalaises ont déjà interdit les rassemblements et les prières collectives, proscrit la circulation entre les villes, suspendu quasiment tout le trafic aérien. Le Sénégal, qui a déclaré 367 cas de coronavirus, dont 220 guéris et 3 décès, s'est jusqu'alors gardé d'imposer le confinement. Il représenterait un défi considérable dans ce pays dont une bonne partie de la population vit au jour le jour. En Libye, le gouvernement d'union nationale a pris des mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Un couvre-feu de 10 jours a été décrété dans les régions sous son contrôle. Un véritable calvaire pour les Libyens habitués autrefois aux sorties. Un couvre-feu décrété par le gouvernement d'union nationale est en vigueur dans les régions de l'ouest libyen. Les habitants sont seulement autorisés à sortir à pied entre 5h et 10h GMT notamment, pour pouvoir faire leurs courses. L'approvisionnement en eau de Tripoli, qui provient de nappes aquifères du désert dans le sud, a été coupé par le groupe armé de cette région contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Cet homme fort de l'Est libyen mène depuis un an une offensive meurtrière pour s'emparer de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Exacerbé par la guerre et les pénuries, nombreux Tripolitains sont peu enclins à respecter les mesures du confinement en vigueur depuis vendredi dernier. 49 cas de contamination à la maladie du Covid-19 ont été enregistrés dans le pays. Fini les embouteillages habituels dans les rues de la capitale, mais des voitures continuent de circuler, notamment dans les banlieues où les policiers sont peu nombreux, voire totalement absents pour veiller à l'application du confinement. Cependant, les mesures de confinement avec juste quelques heures autorisées pour faire les courses ont provoqué des files d'attente devant les commerces propices à la propagation du virus. Constatant que les mesures du confinement n'étaient pas suffisamment bien respectées, le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale a rappelé samedi aux citoyens les règles à suivre, avertissant que des amendes allaient être imposées aux contrevenants. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. «
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. De retour en kiosque après quelques jours de suspension, le quotidien Liberté au Togo s'intéresse à l'achat de respirateurs par l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces appareils comportent des senteurs de scandale, écrit le journal ce lundi. Demain mardi, l'opposant Agbeyome Kodjo sera entendu par les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'affaire atteinte à la sûreté de l'État. Ce mardi sera-t-il un jour noir pour l'opposant et ses partisans, s'interroge par ailleurs le journal Liberté. Au Mali, le second tour des législatives s'est tenu ce mardi 19 avril, en dépit des multiples appels au report. Le principal défi du scrutin était le taux de participation. En attendant les chiffres officiels, l'indépendant parle d'une très faible mobilisation des électeurs à Bamako et à Kati, et ce malgré le dispositif sanitaire lié au Covid-19. Les opérations de vote sont aussi émaillées d'incidents dans le Nord, ajoute le quotidien. En Côte d'Ivoire, la tendance au report de la date de l'élection présidentielle se précise. C'est ce que nous donne à lire le Nouveau Courrier, qui croit savoir que des organisations de gestion électorale sont d'accord pour le report de la présidentielle. Alassane Ouattara, lui, est confronté à un dilemme, confie le journal. Et pendant ce temps, le deuxième vice-président du RHDP ne cache toujours pas son mécontentement. Pour le patriote, il est dans un jeu trouble. Mais où va Mabri, s'interroge le journal, convaincu qu'Albin Mabri se trompe de combat. Et cette nouvelle pas trop gaie que rapporte le quotidien d'Abidjan, le journaliste François Matéi est décédé ce dimanche. Très proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, il a échangé quelques mots avec lui avant son décès, des propos rapportés dans ses colonnes par le quotidien. Et au Cameroun, pour finir, la presse privée est asphyxiée par le Covid-19. Les conséquences socio-économiques du virus sur les entreprises de presse sont énormes. Conclusion de la République, la presse privée est en agonie. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivie. À bientôt.